On aura peut-être le téléport pour arriver dans le tour. Ah bon, si jolie attraction ici qui est utilisée beaucoup, des gars qui sont fait. Biggie qui prend un Killidex qui grâce à l'attraction et à sa grenade va réussir lui aussi à en prendre un et à mettre beaucoup de joueurs le HP. Ghoster qui va arriver désormais, un kill récupéré par Shin qui tient bien ici. Il est complètement la plante. Il est resté en vie, c'est 4 joueurs qui sont en défense. Il y a un joueur qui est très low HP, c'est la Sky. Situation de 4v3 pour la retake. Situation de 4v3, on a commencé à prendre le light côté Shin. Il va y avoir un retake, voilà, qui s'est fait en deux temps. D'abord avec Ghoster qui a avancé, puis qui s'est fait éliminer par Onibi. Et puis maintenant, on va sortir du light. Oh, Kalox qui fait un très joli kill sur Rapid, très important. Et maintenant, on est en 3v1. Et forcément, Newzera va venir. Très beau shérif de la part de... Allez, Skido, double décal. On a fait un pour un. Ouais. Frenzy qui fera la différence avec Biggie. Il faudrait pas laisser cette arme à Biggie. Ghoster qui va se faire one tap par aller là-dessus dans le petit couloir. Allez, qui est seul en B, mais du coup ça pourrait rediriger l'attaque. On a des joueurs qui sont positionnés juste ici. Shin qui a deviné la position de David P ici, qui le voit décaler. David P qui tente de décaler à son tour également, mais on se fait punir pour notre ami Onibi qui a voulu prendre la ligne. Et Kellogg's qui va enchaîner avec le doublé en pré-shot en travers. Et Kellogg's encore le troisième, peut-être le quatrième. Ah, il a ce sera 3 kills, il a très fort en effet. Et là, petite attraction, ça fait mal. Et bonjour à tous. C'est bien, Newzera, qui est évidemment pour pouvoir avancer. Le petit loup envoyé bâton pour Sky. Oh, le trade pris par Kellox. Gagné par Kellox sur David P. Directement sur la longue B. Et on se retrouve donc avec deux infériorités numériques. 3v5. Oh, bien joué. La part de la PC qui était armée, on a voulu jouer close pour Idex. C'était l'une des solutions ici de mettre une tête directement sur le joueur qui ne serait pas tombé mais qui aurait du coup pris un petit coup en arrière. Et Shin qui tout à l'heure déjà a réussi à tenir en situation complexe d'infériorité numérique. Cette fois-ci, on va bien le zoner pour l'empêcher d'avancer. On entend l'ultimate qui est envoyé de la part d'un des joueurs. Attract. C'est le... qu'ils vont réussir à planter. Qui est final, qui va partir. On va toujours pas planter. Ah, on va planter défaut à ce point-là du site. Il va donc falloir jouer autour de la bathroom. Qui est pas forcément facile à défendre. Voilà, le problème du plan de défaut, c'est ça. C'est qu'on peut anticiper une belle grenade assez simple à mettre. Ça fait un kill gratuit. On est maintenant en 4v2. Il va falloir avancer en synchronisation. On attend Breach. C'est bien joué. On se prive pas de flasher. On décale. Et Shin et Newzera qui exécute immédiatement Happy et Honey. TP qui est pris avec un joueur, le TP qui est pris en effet par au moment de la pose du spike pour pas faire trop de bruit. Du coup on va être deux au niveau de cette bass room avec Shin et Idex, avant qu'Idex décide de repasser par le mine. C'est ce qu'il va faire ici. On va envoyer des flèches et on va prendre son temps. Il faut y aller ensemble, ils sont 4 à jouer dans light. Et oui, tout simplement. Ils ont pas le choix. Il va pas falloir que ça se retourne contre eux par contre. Attention, on perd beaucoup d'HP pour Shin. Dès qu'on va commencer qu'il y a tout le monde dans la light, ça va être un peu la merde. Ça y est, on a compris. Biggie a réussi. Ah, ils ont réussi à sortir, ça y est. Le diffus est en cours. Mais oui, la Vandale qui défend. Happy au deagle. L'ulti sur le diffuse. Bah, oh, la moitié n'a pas été faite, ça c'est terrible. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il va lâcher, il est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va il tenir. Il l'aura pas. Il l'aura pas avant. À moins qu'il décale. Il a fait la moitié. Il arrive pas. Il est juste en face de lui. Mais le kill, est-ce qu'il peut diffuse, c'est un an. Une grenade qui les empêche de y aller. Du coup, faut et non, ils y vont pas. Hein. Ils y vont pas. Oh, et donc là, ils savent qu'il y a personne. Ou alors, ce sera gratuit. Ok, Lox. Il est trop bien. Il est trop bien. Avec l'ulti de Ghoster derrière qui a pu le faire. Très bon retake. Il nous reste un Brimstone tout seul, mais ça va être très compliqué parce qu'ils sont en train de diffuser. C'est fait. Et alors là, c'est un super retake. Si haut. Si haut, les amis. Oh. Ok, il a été délogé. Mais il a été remplacé. Mais finalement, il s'est fait tuer. Joueurs qui sont envoyés, personne qui va être seul pour l'instant. L'ultimate du Breach qui est investi, c'est David P qui va réussir à prendre un kill. Situation de 2v2 désormais. Oh, le travers. Smoke sur la Heaven, on s'attend à une position. Et du coup 2v1 bon, planté, en effet. Le spike est posé. C'est notre ami Newzera qui doit clutch désormais. Newzera qui va utiliser une première flash. Tout le round s'est passé en une seconde. Oui, bah du coup c'est terrible. Ouais, c'est terrible à commenter. Par contre, on n'a pas beaucoup de points de vie du côté de Biggie, c'est-à-dire 1 je pense, 1 ou 3. En fait il va falloir vraiment jouer juste le crossfire. Voilà, là, il a une info. Donc lui, c'est le baiter. C'est pour ça qu'il a lancé sa flèche et qu'ensuite il court. Parce qu'il se dit, bah voilà, j'ai juste servi à ça. Maintenant, il faut que j'arrive de l'autre côté. Jamais. Et là, c'est trop bien fait. Parce qu'il y a quelqu'un tank et quelqu'un en face. C'était imperdable. Ça va être les showers. Pendant que ça push sur la short. Donc là, ça va être un retake à 5. Mais en situation de 3-2. Voilà, on va aller chercher. Joueur. Moins 1, c'est bien. Allez, et bien ce que fait Excel. Allez, c'est super bien parce qu'ils sont sandwichés. Ils sont... Oh, Shin, ce spray transfert magnifique. Mais ça amène un 3v2 quand même. Ça peut devenir un 2v2 rapidement si Ghoster gagne son 1v1 ici et réussit à faire ce kill, mais il loupe. Et c'est Biggie qui va prendre le headshot qui va bien. On a un ultimate côté Biggie qui va pas aller risquer. Il veut pas save. Devrait save. En fait il attend de voir s'il fait ce kill là peut-être. Ah, ça paraît très difficile hein. Allez là il joue un peu le time, il fait des shoulder pick. Ouais. En fait il fait des shoulder pick pour pas que Breach avance, pas que Newzera avance, mais ça suffira hein, probablement. Ah, malheureusement le temps. Ah ouais il veut le jouer, c'est incroyable. Ouais non voilà, il back.
Ça m'étonne juste qu'il reste si proche du site. Ouais voilà, il voulait l'exit. Il voulait vraiment l'exit de aller et ensuite, pas de problème, on s'en va. Au revoir à tous. Et bravo XL qui fait désormais mieux que contre l'équipe Vitality vu qu'il marque en 3ème round. Tout à fait. Au petit ulti à l'open alors qu'ils étaient sur la bilongue, ça va faire mal. Une entrée du site. On est déjà entré sur site avec cette Viper et cette Raze qui sont entrés. Biggie qui a fait le kill avec son Sova. Très très belle entrée de site. Honnêtement, ils ont rien pu faire. Ça s'est passé en une seconde. Le spike est posé. On est en situation de post-plante. Là, ça sent très bon pour XL. Ça sent extrêmement bon pour XL en effet. On tente de sortir là-dessus du TP, mais on se fait récupérer. Nuzera qui va tomber. La grenade qui va être envoyée. Mais il y a un joueur qui est David Pecky posé tranquillement. Il va pas même pouvoir se mettre dans le TP. Et tout a commencé tout simplement grâce au sand. Alors regardez comme c'est straté, comme c'est beau. Attends, qui récupère XL, saison 3v2. Oh, Idex. Idex encore peut-être. Pour son 3ème kill, c'est chose faite. Il a mal posé la flaque en plus. Mais attends, mais il, là c'est Biggie. Biggie en V2, il va jamais jouer. Biggie joue le premier, triple kill contre triple kill. Quoi pas. Oh, il a un HP. C'est une flèche, c'est un flèche électrique. Ah, oh, il l'a eu. Hop, il était franchement à la limite. Ouais, après ce qui avait été. Il va rester coimpé. Attention à cette flèche qui va pas voir. Ils ont l'ultimate. Derrière, pas le canon. Faut pas mourir. Oh, faut y aller. Faut courir. Faut tirer. Oh, et avoir par qui pré-shoot. Oh, dur. Dur de mourir comme ça. Quel réflexe par contre de la Viper hein. Ouais, Viper qui smoke instant là, c'était vraiment pas mal hein. Allez Ghoster. On est rentré sur site, non, on n'est pas rentré sur site dans la porte encore clear. La brochette. Mais ça vous alignez pas, pitié. Happy en situation de V1, il faut poser le spike. Il sait pas, Nuzera est derrière, il était déjà elbow. Magnifique brochette. Ouais, magnifique brochette. Trop patate sur le premier. Oh, Kellogg qui a voulu avancer. Kellogg, un joueur qui avance, un joueur qu'on attend. Un joueur jet. Oh la vache, Mouse 1. Oh, oh, oh. Aïe aïe aïe, il pouvait pas savoir et du coup il prend la sauce. Et cette défense agressive est complètement punie. On avance sur le A, double satchel. On est sur le coin B. En plus de ça, ils ont claqué du feu en pensant que ça rechant alors que c'était très bien de la part de Vixel qui a attendu un petit peu. Ah ouais, 3-4 secondes en mode maintenant les gars, on prend notre temps. 1v5, ulti. Pas plus dans le vide. Bah, c'est le dernier. Mais tu vois là, j'allais dire le. À chaque fois, je regarde pas les rounds, je suis en mode. Qu'elle était pas loin, on va voir un. On va avoir un affrontement bientôt entre Brimmy Killjoy. Ok, 2 kills récupérés pour l'attaque ici, ça se fait extrêmement bien. Au niveau de société, on est très nombreux, mais les clics droits s'enchaînent et le flic est bon. C'est pas Kellogg qui prend le kill, c'est Nuzera, mais il l'accompagne. Et on est en situation de 2v5 en spammant à travers cette smoke pour tenter de récupérer des têtes à droite à gauche. Mais ça va quasiment être mission impossible pour Biggie et pour son teammate Happy, le joueur français. Ouais. Qui vont avoir du mal, même si Kellogg est évidemment un peu free kill avec ses 20 points de vie. Qui va rentrer doucement mais sûrement, petite flèche de vision. Il révèle la zone. Oh oui. Il met une tête. Sortir en même temps. Alors peut-être. Il va falloir. Va falloir y aller. 10 points de vie, c'est pas beaucoup. Ah ça va être compliqué effectivement. Oh, attention quand même. Et c'est encore un pistol round perdu pour XL. Attention ulti j'imagine. Ah non, mais non même pas en plus j'allais dire qu'il jouait jet mais j'ai. Oh là. Onibi qui a pulvérisé avec ses sorts uniquement. Idex. Oula. Ah bah oui là tu pouvais pas faire grand chose ici, il a été obligé de décaler à cause du sort du bridge qui avait bien été envoyé. Attends mais j'aimerais bien voir le replay de la mort, j'espère qu'on l'aura, je sais pas si on l'aura. Alors que pendant ce temps là, oh ouais. Il a croisé dans la smoke, il l'a pas vu. Salut à tous, Shin qui massacre Happy. Oh, oh bien joué ça, de la part de Ghoster. D'avoir une smoke pour pouvoir passer si seulement il savait. Le timing est terrible pour David B. Ouais, Biggie va pouvoir prendre le revenge et c'est à 1v1 de Sova mesdames et messieurs, avec un Sova qui court sur le BPA et un Sova qui est toujours bloqué sur son BPB. Bon, de toute façon, il aura l'info bientôt, il va prendre le TP très certainement, c'est pour ça qu'il s'en rapproche. Et là, il entend le plant. Ah, je sais que plant que ça... très intéressant. Il va être posé. Il prend pas le TP. Ah si, il y va quand même. Ok, plant giga intéressant, j'ai hâte de voir comment il va le jouer, Ghoster. En plus, il lui reste... Ouais, là, en plus, il a eu l'info sur le TP. Ah, il est... Oh, le coquin. Ah, ok. C'est risqué, là, quand même. Hein. Ouais, c'est très risqué. Perspective advantage, il peut se faire avoir, là. Surtout qu'il va forcément check. Oh, il a check, no check. Il a semi-check. Jack, il pourrait faire la diff. Attention, sur ce CT, il y a une smoke, heureusement. Dans le elbow, on l'a eu. La flèche un peu tard, dommage. L'info un peu tard, parce que la flèche finalement avait donné l'info, il s'est pas retourné. Il a pas réussi à faire le kill de Hookah et du coup maintenant, les gens ont l'info. On a une info sur deux personnes, joli réflexe de la part de Shin. Avec ce crosshair placement magnifique, on a Viper derrière Onibi. Qui n'a pas encore fait de bruit de pas. Ça va commencer à check. Ça y est, il y a un check. Maintenant, on a une info sur le Hookah. On n'a pas l'info sur l'autre. Ouais, on a pas gaffe au timing de Nibi en effet qui va arriver depuis Alon qui est bien positionné pour l'instant mais personne ne se montre. Ouais, mais là ça y est, va là, ça y est check. Et là ça va check en effet dans tous les sens. Bah un premier kill 2v2 désormais. On a l'ultimate de Viper qui est disponible. Il tire sur son propre teammate. 1v2 maintenant avec Shin qui fait le kill. Est-ce que Shin peut enchaîner avec un 3ème kill désormais? Il joue derrière la box, il va pas bouger. Faut sortir en même temps. 1, 2, 3. Shin, oh ils sont sortis en même temps mais ça a pas suffi parce qu'il s'est très bien positionné. Magnifique flag. Est-ce qu'il va pouvoir commencer le diffuse peut-être pour prendre la moitié de parce qu'il a traversé. Et il le fait quand même. Bien joué Onibi. C'était vraiment pas un round facile.
facile. Oh là là. Et il a réussi à le mettre. Kill de Onibi. On était en situation sur le mid avec double flash. Into on entre. On a quelqu'un qui est auteur. On a évidemment la Viper dans son ulti, ils le savent. La question c'est quand est-ce qu'elle sort. Elle est sortie, elle se fait. Ah dommage. L'ultimate de Sova qui est tenté ici mais qui va se faire manger par la tête. Attention quand même, Idex de passe tout peu là-dessus. Idex qui va se retourner, qui se doutait qu'il y avait quelqu'un derrière, mais c'est finalement Onibi qui va prendre le kill. On arrive à poser des plans maintenant. La flash qui va partir, Onibi qui se tourne, mais Onibi qui aurait peut-être pas dû se tourner parce qu'il avait l'info au moment où le joueur avait flash en main. Newzera pour le troisième kill, le quatrième peut-être ici. Alors qu'on a un joueur qui vole, c'est Kellogg's qui a fait 17 gel pour se retrouver sur le tank. Situation 3v. Allez, 12 à 7, round décisif. Autant la défense, on était en mode, mais quelle attaque de la part de XL. Autant là, ils sont en train de. Bah, ils ont simplement égalisé en termes de round d'entrée de jeu. Ouais, pas un seul temps, on a réussi à poser le spike. Situation de 4v4. Et voilà l'ulti justement. Et il touche. C'est très bien joué. Il a compris qu'il allait sauter. Oh, c'est magnifique. Bien joué à lui, c'était pas évident. Surtout de faire un kill avec ses 2 HP. Ça y est, il a fait le taf. On a posé la flaque, on est en situation de 2v4, ça pourrait déjà être la fin de la map. Il y a de Shin du coup qui a été utilisé parce qu'il a disponible une fracture qui revient au bout des 20 secondes. Ça pourrait déjà être la fin. Et regarde comme ils sont bien, ça va le faire ici. On va mener 2-0 dans ce best of 5, il ne reste que Onibi qui va faire un kill. Il est tout seul, il est obligé de tomber en sort. Il arrive pas, il n'y arrive pas. C'est pas le cas. Tac, en priorité qu'on a dû choisir la défense. Pour l'autre équipe, il y a deux joueurs qui sont extrêmement low HP, c'est Idex qui était très low, tout comme Shin qui s'est fait remonter en termes de points de vie. On a réussi à poser le spike, mais on est en 4v3. En 4v5. 4v5, une situation quand même à l'avantage de ces méga situs qui ont le contrôle de ce A, de ce BP. Alors qu'on va poser ses smokes. Oh là là, c'est avancé, mais le traverse smoke est bien mis sur Shin qui est bas en point de vie. Il va peut-être tenter la décale, nous surprendre en plein. Mais pourquoi t'es avec un smoke? Et justement, encore une fois, l'affaire du couteau dans la smoke. Ça dégoûte, c'est déjà vu. En vrai, c'est gagné, je pense. Il y a un wall qui est posé, il est sur le wall, il va l'éclater dans la smoke, il va lui tomber dessus pour limite le cut. Il reste que Ghoster en 1v3, est-ce qu'il peut le faire? Le spike, il a pas été diffuse. On a des repères ici avec cette flèche. Oh là là, attention, si on arrive à tuer celui qui est en train de diffuse, on peut faire toute la différence. Le shoulder pick, le plaid Biggie. Oh là là, vous êtes sérieux? Ça veut dire que l'observateur numéro 2 était dessus et ça, ça fait plaisir. Oh oui, Biggie. Pour l'instant, pas de décision, on est. Réparti sur la carte, on a une sorte de contrôle orienté qui se met en place, mais on a été récupéré au niveau de ce mid. Ghoster qui tombe et le spike est aux mains de CXL. Ouais, un spike positionné au fond de la map. Ici, on va avoir quasiment une bataille au niveau du spawn. On a un joueur à l'opérateur, on va absolument pas perdre ce round pour l'équipe de Shin là. Les méga su qui ont beaucoup dépensé. Newzera qui gagne son 1v1, il est clutch, il récupère le spike. Et il va pouvoir récupérer même l'arme de son adversaire. Idex par contre qui est un petit peu naïf sur son entrée. Newzera qui fait une résurrection. On se re-retrouve en situation de 4v4 du coup. David P qui essaie de beaucoup avancer, qui prend l'information. Et c'est à Onibi de faire la différence maintenant. Il en prend un mais il fait revenge par Shin. 3v3 désormais avec la position qui est connue sur au moins l'un des joueurs, c'est David P. Les autres joueurs qui arrivent au niveau du short et de la longue. Biggie qui voit une étoile popée juste devant lui. Ça va sans doute partir en smoke. Voilà la smoke pour protéger son arrivée sur ce site. Alors que par contre on reste dans cette smoke. Shin qui surprend Biggie. Incroyable. Ce Sova qui a tenté d'entrer. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un. Mais aim sur la hauteur, le Heaven. C'est récupéré. On va placer un mur pour empêcher ces Excel d'entrer tranquillement sur le site. Aim est en ulti. Les deux vont passer par short. Ils vont être moins punis par cette ultimate. Est-ce qu'on devrait pas se mettre carrément Heaven? Non, on va jouer under. Mais attention quand même. On utilise voilà le drone, on prend l'information et là on dit ça va être short, ça va être short. Elle qui va quasiment perdre l'ultimate de l'impératrice, il l'a eu juste avant. On rappelle que dès qu'il fait un kill ça peut le faire, les balles ne passent pas à travers cet ultimate forcément. On ne peut pas pré-shot et les deux joueurs qui sont derrière, ils savent pas. Diffuse. Se demande s'il n'y a pas quelqu'un dans le spawn des attaquants, mais on a tenté la décale et elle a récupéré ce Shin. Le flick shot qui passe sur Ghoster, la tête qui tombe et c'est une balle 2-2-2 pour XL. Allez allez, mesdames et messieurs, un duel crucial. Bien joué à Biggie qui s'en doutait que ça c'était un truc. Qu'il y avait une intrusion sur ce mid. Alors pour l'instant le spike est toujours au niveau de ce B. On va essayer d'avancer mais il y a une Astra qui veille au grain, elle a placé ses étoiles. Ça pourrait mettre en difficulté Shin. Le siphon peut être activé. Et oh, Shin quand même qui récupère l'élimination. Il était en forme astrale en face. Il était en forme astrale, on l'a vu, on est passé sur son POV l'espace d'une seconde. Et du coup il était juste en train de flotter. Les pieds dans le vide. Newzera qui prend un kill très important sur la rotation, du coup on va comprendre que ça va aller en B. En plus de ça il a mis un wall qui empêche Onibi de prendre la vision sur lui quand il passe au niveau de ce mid. Seul Biggie est sur le point maintenant, c'est lui qui doit faire la différence. Il se positionne au niveau de dragon, est-ce qu'il va réussir à faire un premier kill? En tout cas les deux joueurs sont coude à coude, vous le voyez à travers le mur. Est-ce qu'on va se faire pré-shot hein, parce qu'un pré-shot ici pourrait partir à tout moment également du côté de Shin. Ou est-ce qu'on va repartir sur le A? Ça semble être une redirection en A avec un joueur qui est posé. Idex il prend un kill, Shin également. Le dernier joueur il est sur le BPB et il est seul au monde. Il va être vu par Shin qui va en... Pour essayer de vider ce site A complètement et entrer
en avantage numérique. Et Idex, pas dupe sur la hauteur, récupère ce Cypher. On aura la résurrection pour revenir en 5 contre 4. On va être forcé de jouer en reprise pour Excel. Le spike est déjà planté. Ouais, il y a beaucoup d'ulti en plus pour la défense. Par contre, on arrive très très fort au niveau de ce choc. Ghostor qui va s'en douter ici avec une jolie fléchette électrique qui va connecter avec quelques joueurs. Il a une fléchette de vision également qui permet de voir malgré la smoke. Mais lui aussi, il a été vu. Ça va être difficile pour lui. Il sort de l'arène. J'ai un ultimate qui a été mis sur la hauteur également avec David P qui prend un kill. Cet ulti David P, il est très très malin ici. Mais c'est du 3v3 désormais. L'ultimate qui est investi de la part de Kellex. Également, on touche le spike. Mais c'est une fake diffuse. L'ultimate au corps à corps. Ils sont à sa gauche. Ils vont rentrer sur son visage directement. Mais il est protégé par son teammate. Et il fait le deuxième kill avec la fin de l'ultimate. Désormais, il n'y a que aller à l'intérieur. Allez, qui décide de se soigner en 1v2, mais qui ne pourra pas résister à Shin qui est de l'autre côté du mur. Quel jeu en binôme. Ils ont envie de remettre la même chose qu'hier. On aura une précision à faire là-dessus juste après, mais là on a passé une smoke, on se prépare à exécuter sur ce site et tout de suite on entre dans la smoke, on est surpris par Ghostor. On va utiliser le portail, et on va arriver pour surprendre Ale qui était au niveau de ses serveurs. Ouais, on tient bien, mais sûrement de... Elle est un petit peu prise d'assaut cette voie royale, j'ai envie de te dire, par les joueurs de Mega Institute, notamment par Kellox qui pré-shot random dans la smoke et qui fait un premier kill. C'était un pari encore une fois à 3. Au niveau de ce BI, ici on a un fight entre le pavé et la short A. Onibi qui va tenter de décal, qui voit qu'il y a deux personnes. C'est Kellox qui a vu qu'il y avait deux personnes, pardon, Biggie, Onibi qui réussit à prendre un kill. Mais là tu vois, c'est encore une fois une routine un peu de ces méga situs. Confinement pour libérer ce site A et forcer cette équipe d'Excel à jouer. Et là la petite Dex, ça récupère deux éliminations, ça régale. Et Ghostor, on tente l'agression. Chasseur. Ensuite l'ultime est envoyé avec la fureur du chasseur. On va mettre la pression sur cette Killjoy. On sait qu'elle vient régulièrement sur ce A avec son stuff et on n'a pas hésité à venir chercher l'entry. Mais pendant après, ce temps-là, on est passé énormément sur ce B. C'est ça, après c'est que c'est un pari A, c'est un wall de sage, c'est un ultimate de Sova pour faire un kill sur un joueur qui tente de bait. Kellox va sauter pour prendre le heal ici de son teammate parce qu'il a pris une sacrée bastos. David P qui va décaler et qui va se faire avoir par Nuzera. Très clean et très bien vu de la part du joueur de sage. Onibi qui a réussi, qui était le seul sur le B, qui a réussi à s'extirper un peu de la situation. Ça aurait pu être plus catastrophique que ça. Biggie au mid qui va essayer de venir pendant ce temps-là, qui fait son kill quand même sur Nuzera. Mais c'est Kellox qui prend lui aussi un kill. Situation de 3v3 désormais avec un ultimate de Jet disponible. On attend la flèche du Sova pour la détruire instantanément. On a un joueur. Oh là là, Kellox, il régale, il se fait récupérer par Ale. Est-ce que Ale avec l'impératrice peut le faire une deuxième fois? Allez, peut-être on est à 2 contre 2, c'est faisable. Attention, on s'est placé bunker avec Ghostor. On fait la décale sur Shin, mais Ghostor va venir récupérer. Allez, c'est pas encore fini, Onibi. Il a envoyé son ultimate, Onibi, il a eu l'information sur les deux positionnements, mais les deux joueurs ont bougé forcément, et encore une fois, on met des têtes. On met des... Ah, mais je trouve que quand même, il y a quand même beaucoup de fights long range, et sur lesquels une tête à la fantôme ne suffit parfois pas. David Peck est obligé d'avancer, qui fait du bruit du coup, et qui va se faire rush instantanément. Le pas de feed possible qui est envoyé, qui va toucher son propre teammate, mais tout va bien. On vérifie au niveau de Under, on va s'enlever cette petite flèche, cette Biggie qui va tenter un petit saut ici, qui va faire le kill sur le joueur qui vient de se faire résurrecter. Et derrière Onibi qui en prend également, Onibi qui pourrait enchaîner peut-être, on tente de lui mettre des coulines dans les pieds. Onibi qui s'est finalement fait récupérer. Situation de 3v2 désormais, oui, enfin 3v3, 3v2. La faire de reconnaissance qui va donner l'information sur Ale et Kellox, encore une fois les kunai qui parlent. Après Kellox, 3 éliminations récupérées et peut-être aller chercher cette Reyna. Il reste un seul kunai, non. On va devoir tirer à la vandale. Ouais, il l'a pas risqué ce dernier kunai, il a bien raison, il est en situation de 2v1. On a vu que Ale avait peut-être pu le faire tout à l'heure ici. On n'a plus l'impératrice qui est activée, du coup on n'aura pas la possibilité d'avoir cette ultimate de disponible. Et Nuzera qui niveau de ce mine, le drone qui va essayer de donner l'information. On tente la décale, mais Kellox est récupéré. Ouais, il sortira en force et 2 éliminations déjà récupérées. On va passer par ce market, surprendre cette Sage et on aura la revanche pour Biggie. Ouais, il est très low HP lui, voilà, c'est bien, et c'est le spike qui tombe en plus de ça. Situation de 2v3 désormais, on peut peut-être le faire si on gagne ce 1v1 pour Shin qui le fait. David P pendant ce temps-là qui attend derrière le mur, 2v1. Shin qui a un joueur de chaque côté, il y en a un qui a bien avancé, c'est David P qui prend le triple kill. Envoyer une flèche également pour prendre l'information au niveau du 2B. On est bien caché pour les joueurs de Mega Institute. Le petit Nuzera là qui va être en position. Nuzera qui, il y a plein de gens qui passent devant lui ici, qui le récupéraient grâce à la petite grenade. Nuzera et Kellox qui vont détruire ce mur instantanément, mais il est sur le mur happy et il se doute qu'il y a du monde qui est juste derrière cet ultimate. Excellent ce mur, ça permet à cette équipe d'Excel d'aller planter, forcer ces Mega Institute en reprise, essayer de traverser ce mur de la Astra. Il n'a pas tardé à disparaître. Hein. Situation. Ouais, c'est bon, il disparaît. He's fading away. Et là il y a personne derrière et Kellox qui perd du temps, qui n'a pas du tout l'information. Il rentre dans sa propre smoke, ça c'est bien parti. Oh ça, le travers bien inspiré ici de Kellox. On pourrait Kellox déclencher Kellox qui arrive pour la double élimination sur ce B. Et on continue. C'est fini. La reprise qui est parfaite. Alors que les kunai sont envoyés, Nuzera qui récupère déjà une première élimination. J'ai infligé beaucoup de dégâts à cette équipe d'Excel qui encore une fois essaye de passer par ce mid into market vers ce B et Kellox essaye de se replacer. Ale qui a récupéré des éliminations. Ça pourrait être intéressant pour la suite, on est à 4 contre 3.
en faveur de CXL et David P qui fait encore une excellente coupe sur Kelox. Ouais, Kelox a voulu jouer sur ses coups d'œil, malheureusement il a dû louper un clic droit parce que du coup on l'a vu, il a fini au ghost, c'était compliqué pour lui et ça va réussir à le faire pour l'équipe de XL. Son ulti, là c'est vrai que sur une bonne exécution avec l'utilisation du confinement, du mur, de l'ulti de Sova, ça va faire un round très difficile potentiellement. Désolé évidemment. Attention, c'est parti avec une entrée tonitruante, hein, mesdames et messieurs, avec absorption plus kill récupéré par Idex. Idex peut-être pour le deuxième kill maintenant. Oh, cet ultimate de Sova, il est incroyable. Ghoster qui prend le last hit sur son adversaire et qui va essayer de mettre encore un petit peu de dégâts. Le compte à rebours qui est envoyé en plus de ça. La résurrection de Happy qui n'a pas trop le choix ici, qui doit tenter le tout pour le tout. Mais on se fait récupérer ici. David P qui tombe. L'ultimate qui est envoyé de la part de Biggie pour essayer de contrer tout ça. Mais ils sont sur la Heaven, ils sont pas du tout au niveau de ce short. Situation de 2v4 désormais avec une résurrection possible. Happy qui prend un kill machine, qui fait le meilleur. Et maintenant il reste que aller. Est-ce qu'elle peut le faire? On va essayer de passer ce mur de l'Astra, peut-être pour rencontrer Kelox. Kelox, il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Ce tournoi de printemps. Et c'est fait, mesdames et messieurs.